L'écoute du client et l'adaptation à son besoin, ça a toujours été l'ADN de Charlatte et c'est quelque chose qui continue aujourd'hui et qu'on projette dans la solution Autonome Tract. La T135, dérivée de notre modèle phare, le T135, donc avec des composants qui sont éprouvés, qui sont durcis, renforcés. On a défini des architectures d'actionneurs automatiques et de capteurs avec Navia. Tout en gardant les composants sur ce véhicule que les clients connaissent déjà, qui ont prouvé leur fiabilité. Je pense à des éléments de direction, je pense à des éléments de traction, le train arrière qui est développé chez Charlatte et qui fait toute la force aujourd'hui du tracteur. Ça fait 5 ans que le chauffeur virtuel accumule plusieurs centaines de milliers de kilomètres qui nous permettent d'avoir un retour d'expérience, un retour terrain qui est primordial pour anticiper toutes les situations que le véhicule peut rencontrer. La synergie de ces capteurs permet d'avoir une perception de l'environnement à 360 degrés. Automatiser un flux aujourd'hui, le principal bénéfice, c'est d'augmenter la sécurité, réduire drastiquement les coûts de maintenance liés à nos machines. Le tracteur étant le matériel le plus répandu sur les aéroports et aussi très répandu dans l'industrie, c'est une des cibles prioritaires pour l'automatisation des fonctions de logistique. On voit ça vraiment comme l'avenir de notre métier et du métier de nos clients et partenaires.